Bonjour, je suis Jonah, web reporter du collège Marcel Baron. Je suis à l'entreprise Sofradi à Trélières en compagnie de Mouad Hassim. Je suis débiteur de profil et d'aluminium chez Sofradi. Mon travail consiste à débiter des profils qui vont servir à réaliser des projets en menuiserie aluminium. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Depuis 5 ans chez Sofradi, depuis 2015. Quel a été votre parcours pour venir jusqu'ici ? En fait, mon parcours, parce que j'avais fait une formation qui est un peu loin du métier. C'était en drapage pour les composites haute performance. Et après, donc, j'ai commencé chez Sofradi en 2011 en étant intérimaire. Et en 2015, donc, j'ai fini par signer mon CDI au sein de la société. Quel est votre plus bel accomplissement professionnel ? On est emmené à débiter des profilés en création, dont on est confronté à des difficultés techniques. Donc, parmi les accomplissements dont je suis fier, c'est la manière de caler donc, les profilés et puis des techniques de coupe. Quoi, donc, avec des calculs précis et tout, donc j'étais emmené à développer. Quoi. Pouvez-vous décrire une journée de travail dans cette entreprise ? On commence par avoir donc un dossier de débit qu'on reçoit du bureau méthode. Donc ce dossier il est muni d'une fiche de contrôle qualité. Donc on cherche donc les profilés dans notre stock. Et on commence donc à débiter suivant des cotes et des dimensions précises. Et ces profilés, donc, ils vont partir à l'usinage. Et lors du processus de fabrication, ils seront toujours accompagnés d'un dossier de fabrication et d'une fiche de contrôle qualité. Après, donc, une fois que je débite les profilés, donc, il y a un contrôle à faire. Et puis, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un profilé, s'il vous plaît ? Ben voilà, donc un exemple de profilé, c'est ça. Voilà, c'est ça un profilé. Ça, c'est un dormant. Donc cela sert à créer les bâtiments ? Ça sert à créer, celui-là par exemple, c'est un dormant pour des ouvrants, c'est dans la menuiserie. Et pour le bâtiment, il y a toute une structure qui est composée de châssis, murs rideaux, de portes, voilà, de bardages à lit et tout ça.